Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, pendant des années, la spécialité des Français, c'était d'inventer les compétitions. On a fini par en remporter finalement quand même deux titres majeurs. C'est pas dommage vu qu'on a quand même inventé et le championnat d'Europe des Nations avec Henri Delaunay et la Coupe du Monde avec Jules Rimet. Une Coupe du Monde, deux championnats d'Europe au palmarès des Français. Voilà, c'est parti, l'Argentine qui engage. Gabriel Mercado. Lucas Biglia. Une Argentine qui se projette vers l'avant. Et c'est donné dans l'espace. La frappe de Léo Messi. Alors, qui peut se saisir de ce ballon. Lionel Sidibé. Matuidi, Dimitri Payet. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Il prend sa chance. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. L'équipe de France qui obtient un corner. Koscielny. Cazorla. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Matuidi, on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. L'équipe de France qui part à l'attaque. Le centre. Oh oui, la belle intervention du gardien. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. On revoit cet arrêt en image. Ouais, le gardien qui s'interpose bien sur cette action. Ouais, sans souci pour le gardien qui se saisit facilement de ce ballon. Gamero. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Sissoko, et le but qui leur permet de prendre l'avantage. L'enchaînement parfait sur ce but. Ah, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Sur l'aile avec Di Maria.
L'arbitre, oui, il a laissé l'avantage aux Argentins. Payet. Dimitri Payet. Attention, il a du champ devant lui. Sissoko. Et c'est but, encore un autre but. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Moussa Sissoko. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Sissoko. Raphaël Varane. Jérôme Sidibé. Il la joue un petit peu comme au Rwanda. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Blaise Matuidi. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Un bon ballon d'attaque. Ça n'ira pas plus loin. Kurzawa. Paul Pogba. Blaise Matuidi. Paul Pogba qui voit sa passe interceptée. Gabriel Mercado. Messi. Sergio Aguero. Allez, qui va reprendre ce ballon. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Gabriel Mercado. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. On n'était pas le match en main désormais. L'équipe de France qui mène au score au moment où débute cette seconde période. Moussa Sissoko. Paul Pogba. Biglia. Gabriel Mercado. Il s'avance vers la surface. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Sissoko. Matuidi. Aguero. Otamendi. Marcos Rojo. On s'approche du but. Non, non, ça ne passe pas. Jérôme Sidibé. On a atteint l'heure de jeu. Antoine Griezmann. Retour sur Paul Pogba. Et la voilà, la frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Là,
Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Ouais, il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique, hein, face à cet adversaire. Et Maria. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Il perd le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Kevin Gamero. Ah, il est à l'interception. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Allez, Pogba qui poursuit son action. La frappe. Et le but pour l'équipe de France. On voit toute la joie du défenseur après ce but. Oui, Hervé, les défenseurs qui marquent, ça arrive. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ramiro Funes Mori. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Cazava. Pogba. Gamero. Équipe de France qui part à l'attaque. Le tir. Oh, l'arrêt! Oh, quel plongeon superbe! Ah, je crois tout simplement qu'ils ont surtout hâte d'en finir. Ils ont été totalement dominés. Match vraiment difficile pour eux. Moussa Sissoko. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Ah non, finalement, ça a été intercepté. Et Maria. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Kevin Gamero. Et l'arrêt du gardien. Le ballon qui est en corner au bénéfice de l'équipe de France. Le gardien qui repousse ce corner. Allez, 3-0. Ce sera le score final puisque l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Il n'y a pas eu de match, hein. Vraiment, il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui. On l'a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment, hein. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.